Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur comment lire un patron et surtout mes patrons. Mais ça s'applique à n'importe quel patron puisque la conception globale de patron reste la même. Il y a toujours les mêmes blocs à peu près. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez. C'est très important pour moi que vous fassiez ça parce que ça permet de développer la chaîne. Sinon, bah, la chaîne n'avancera pas et du coup, j'aurai de moins en moins de visibilité. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Afin de faire tout ouvrage, on doit faire un carré de 10 par 10 cm pour vérifier qu'il correspond à celui du patron. C'est ce qu'on appelle un échantillon. En fait, on fait un carré plus grand, de 15 par 15 souvent de centimètres, pour pouvoir compter plus facilement sur 10 par 10 cm. Une fois votre carré fait, vous devez compter le nombre de lignes et de mailles que vous avez pour 10 cm. On peut voir que dans le patron, deux carrés sont à faire, un pour le point 2 et un pour le point 3. Il faudra donc faire ces deux carrés. À quoi correspond le point 2? À du jersey envers tricoté à l'aiguille 3 mm. Le jersey envers, c'est simplement que sur l'endroit de l'ouvrage, on tricote envers et sur l'envers, on tricote en endroit. C'est un point jersey classique où on a juste inversé le sens. Le point 3 correspond à un point de torsade, faisant référence à la grille correspondante. Comme pour le moment, vous ne savez pas encore faire des torsades, vous n'avez pas besoin de le faire, car sur mon patron, mon écart entre torsade et pas torsade est très léger. Donc, il n'y a pas de grand intérêt dans ce cas-là de le faire. Mais dans certains patrons, vous pouvez voir des écarts qui peuvent aller jusqu'à 8-10 mailles. Donc, il est important de les faire pour voir s'il y a vraiment cet écart ou pas. Une fois que vous avez tricoté vos échantillons, voici un exemple que j'ai fait en jersey envers, il va falloir le mesurer. On place soit une règle, soit un carré de mesure dédié à cela. Je vous montre avec une règle, on compte les mailles, puis on comptera les rangs. On se positionne à plat, on met notre règle. C'est pour ça qu'il faut toujours plus que 10 cm. Et on va compter les mailles. Alors, une maille en jersey endroit, c'est un petit V. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... Il n'y a pas 27. Donc j'en ai 26. Et on va compter les rangs. Donc je n'ai pas fait 10 cm, j'ai fait que 5, mais c'est pareil, il suffira de multiplier par 2. Alors, vaut mieux faire 10 cm par précaution, parce que là, c'est de la petite maille, donc c'est facile à compter. Il n'y aura pas trop d'écart. Sur de la grosse maille, entre 5 et 10 cm, on peut avoir facilement une maille de plus ou une maille de moins. Alors, pareil, ben là on compte les V. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 fois 2, ça fait 30. Donc j'ai 26 mailles pour 30 rangs, pour mon carré de 10 par 10. Donc, dans mon cas, sur le patron, il est indiqué que mon carré de 10 par 10 doit faire 27 mailles par 30 rangs. Je suis à 26 mailles par 30 rangs, donc on est bon. Ensuite, si vous avez donc le même nombre de mailles et de lignes que le patron, alors, pas de souci, vous pouvez suivre les instructions, il n'y aura pas d'écart. On peut, comme je le disais, avoir un écart de 1
maille à, et un rang sur le, du fil fin. Sur du fil épais tricoté avec des grosses aiguilles, cela posera un problème parce que cela peut mener jusqu'à 1,5 cm, voire 1,5 cm d'écart en fonction des dimensions. Surtout quand on commence, mettons qu'on a 1,5 cm pour une grosse maille d'écart. Si on a besoin de 30 mailles, ça fait déjà 1,5 cm. Donc sur 30 mailles, on a perdu 1,5 cm. C'est énorme. Alors, dans le cas où vous n'êtes pas conforme, si vous avez moins de mailles et de lignes, alors passez à une taille au-dessus des aiguilles indiquées et refaire l'échantillon, il n'y a pas le choix. Si ce n'est toujours pas assez, augmentez encore d'une taille. En fait, cela est dû que vous avez tricoté trop serré. Je précise que quand je parle d'une taille en plus ou en moins, en taille française, c'est en fait des demi-tailles. Exemple, on passe de 2,5 mm à 3 mm. En taille UK et US, c'est plutôt une taille. Des chiffres 1 qui s'augmentent de 1. Si vous avez plus de mailles et de lignes, alors passez à une taille en dessous des aiguilles indiquées et refaire l'échantillon. Si ce n'est toujours pas assez, diminuez encore d'une taille. Et cela est dû au fait que vous tricotez trop large. Maintenant que vous avez la bonne taille d'aiguille, il suffit de prendre cette aiguille comme référence. Attention, si vous avez trop de différence, il faudra alors recalculer tout l'ouvrage. Mais nous verrons cela dans un autre tutoriel. Ne compliquons pas les choses. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!